بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابتر 344، باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. شابتر qui est makrouh, qui est détestable pour un djimoun qui poursuit imam dans jamaat, qui commence à faire namaz nafila. Nafila veut dire sunnat ou soit nafil, ça veut dire ce qui pas faraz. Après qui muazzin fini commence à faire ikramat pour namaz jamaat pial djibout, muazzin fin djibouté fin fait ikramat, il commence à faire ikramat. Un djimoun à cette heure là il commence à faire sunnat ou soit nafil. Alors ça, les makrou. Sawa'un kanat an-nafilatu sunnatan sunnata tilka as-salati aw ghayraha. Même si ça namaz volontaire qu'il peut faire là, les sunnat pour sa namaz là ou soit un autre affaire. L'exemple, un djimoun namaz asar pe djibout, namaz isha pe djibout, astela li pe commence faire sunnat. Asar ou soit Isha. Ou soit Astela, il peut al faire Tahiyatul Masjid, Dirakat Namaz, Nafil. Donc tout ça là, il est détestable. Alors, Hadith 1761, An Abi Huraira, radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو قفت صلى الله عليه وسلم فينجيا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كان إقامة في الدنيا كنماز ألو بنا وكن نماز أباد سكي مكتوبة مكتوبة بجاء فرز. كان إقامة في الدنيا ألو لا بنا وكن نماز كفى أباد نماز فرز. ألو ساجز دير كيف هسا بن ولا ما يشبكنو كي quand il arrive là pour faire namaz faraz, ça c'est un parmi une activité plus important dans un dimanche sur la vie, sur la journée, dans ce jour. C'est qu'il arrive là à ce temps-là pour accomplir un pilier de l'islam. Il arrive là pour faire ibadat qui est obligatoire. Là-dedans même, il n'a plus beaucoup sawab, mais là-dedans même, il n'a plus beaucoup responsabilité. S'il n'est pas pour faire ça nafil là, il n'est pas pour fautif. Ou soit nafil là, il est capable de faire lien de l'autre là. Mais ça, pharaz là, quand on peut djibout, il y a une affaire importante, puis il y a l'islam. En même temps, les djibout dans l'air, il n'est pas capable de faire dans n'importe qui l'air, ça, comme on les autres dans le film. Et il peut djibout dans le djamaat. Et ça, djimoun là, il est présent dans. Il est en présence, sa djamaat là. Il n'est pas dans la case là. Il n'est pas dans notre place là, non. Il est en présence, sa djamaat là. Mouazzin in djibouté, il commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Qad qamatis salat. Il n'est pas capable de faire non, il est allé là, à pote. Fait namaz faraz. Et donc, il fait tout ce possible pour lui venir dans namaz faraz. Pour qui, comme Abu Ulama explique nous, pena nuksan dans sa travail qui est tellement, tellement important là, pena naqs, pena manquement là-dedans. Alors, s'il peut le faire, un autre quelque chose, ça l'est là, pena manquement là-dedans. Même s'il y a un namaz faraz ou soit il y a un namaz sunnat, alors pena manquement là-dedans. Donc, il n'est pas pour haram, mais seulement il est détestable, il est makrouh. Et donc, c'est une affaire qui a évité. Qu'arriver à ce temps-là si nous finirons sunnat, nous rentrons namaz zohar et ikamat pefer. Ou soit nous pouvons trouver, reste 30 secondes. Reste 30 secondes. Dans 30 secondes, nous ne sommes pas capables de faire 4 sunnat. Alors, qui nous fait? Et ça, 4 sunnat, la sunnat mu'akkada. Sunnat mu'akkada. Qui veut dire sunnat mu'akkada? Il y en a 12 dans un jour. Il y en a 2 avant fajar, avant faraz, fajar, on peut dire. 4 avant zohar, 2 après zohar. Dès après Maghrib et dès après Isha, il fait 12 sunnat mu'akkada. Ça, en salatu tarawih, par exemple 20 rakat, ça va être sunnat mu'akkada. Normalement, sunnat, comme on connaît, quand on fait les gens, énormément sawab. Et si un djimoun les reste ferme, l'eau-là, 12, ça 12 sunnat mu'akkada là tous les jours, il garantit la case dans jannat, comme on connaît. Hadith là, il est bien commun, tout djimoun connaît. Alors nous faisons zéfo, nous faisons. Si un djimoun les fait négligence là-dedans, systématiquement, il vous dit, ah, yo, sunnat, ça ne m'a pas pour faire. Ça dit, mon là, il y a un péché. Ça dit, mon là,
sunnat muakkada si li choisir pour pas faire li gen péché ou soit si li faire li vin dans l'habitude pour pas faire li gen péché pour paresse pour négligence li dit li même non mais sunnat ça pas faire pas gen péché ça non non si sunnat muakkada li peut négliger systématiquement li gen péché alors pour un dimon qui comprend l'in vin faire namaz zohar l'exemple on donné ikamat peut donner alors qu'il fait li joindre jamaat les là li accomplir ce sunnat muakkada après comment il fait ça. Quand namaz finit, faraz, il fait des sunnat comme il a habitué faire. Après ça, il fait ça, 4 rakat sunnat mu'akkada. Définitivement, il ne peut pas même valer, mais au moins il fait. À ce là, il y a une autre sunnat mu'akkada encore, c'est des sunnat namaz fajr. Là-dedans, là, ce masla, il est un peu différent. Parce que ça, des rakat là, il est tellement, tellement important. Il n'est pas juste sunnat mu'akkada. Mais c'est lui qui ne perdit ça, il ne perdit pas le monde entier. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dérakat là, il a plus valeur, il est meilleur qui dunia avec tout ce qui est dans le dunia. Sa dérakat, namaz fajr, zis avant namaz fajr. Il a plus valeur qui le monde entier, dunia entier, tout ce qui est dans là. Alors, à n'importe quel prix, bien par atli, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, même si c'est val, il a pour galouplo ou pour piétine ou pas faire rien, faire le namaz là. C'est extrêmement important. Alors, pas. Pas ratli. Alors, si un dimon finalement l'in ratli même, l'in venu, je sais pas, imam il finit, commence li, prépare dans le recours, il a besoin de jouer en jamaat, l'in ratli, là, après namaz, tout de suite, il n'est pas capable de faire li qui fait, parce que après namaz faraz, après namaz fajal, ce faraz, jusqu'à ce que le soleil finit lever, 10-15 minutes après, 15-20 minutes après, là, pas supposé faire namaz. Donc, il n'y a pas beaucoup à faire tout de suite après Faraz, Fajr, Astella par exemple, il n'y a pas beaucoup à faire. Alors, qu'il fait? Il attend que le soleil finisse de lever quand il arrive là, il sera 15-20 minutes après, là, il fait un namaz. Mais il n'y a pas laissé aller. Et là, il y en a jusqu'à un petit peu avant Zawal pour lui faire sa dérakat sur le natal. Il n'y a pas pour pareil définitivement comment il finit de faire dans le soleil, mais seulement toujours, il n'y a pas de ratli, il n'y a pas de perdu. Les autres imams, Shafi'i avec Imam Ahmad, je dis que quand il y a un temps donné, pas fait aucun, n'a fait aucun sunnat, pas même saban, ça des sunnat fajr là. Mais, Mazhab Hanafi, Imam Hanifa, Ahmadullahi alayhi, et Imam Malik, je dis que exception nous faire pour sa dérakat sunnat là. Parce qu'il est tellement important. Alors, si un dimon rentre dans masjid, il trouve reste 30 secondes, il peut faire son namaz, sunnat, imam pour finir, ça veut dire. Mouazine pour finir comment se donner karamat, imam pour finir comment se son namaz, il fait des sunnat, pas fait rien, même s'il rentre un petit peu plus en retard dans namaz faraz là, pas fait rien, pas pour atli. Si il rentre dans masjid, il n'est pas réussi à faire sur des sunnat, mouazine finit comment se donner karamat, généralement il rentre dans namaz là, mais s'il n'est pas fait sa des sunnat là, il y a le d'un coin, il y a le fait. Il fait aller vite, vite. Comment nous connaissons ça des sunnats là, les légers, même si nous pas pressés, recommandation, c'est faire aller léger. Ça veut dire dans le premier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu peux faire? Premier rakat là, il y a Qul ya ayyuha al-kafirun. Deuxième rakat là, il y a Qul huwa Allahu ahad. Léger, des rakat légers ça. Donc, du monde là, il y a dans le coin, il fait ça des rakat là, léger. Il n'y a pas lié beaucoup. Par exemple, dans Subhan Tasbih, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, il y a le minimum. Pour qu'ils joignent, les là, quand ils finissent, ils joignent Jamaat. Bien sûr, il ne faut pas être dans la crainte qu'ils ratent Jamaat là. Comment dire, Namaz pour finir, Jamaat pour finir, ils pourraient rater. Alors, si l'IPP, par exemple, il y a certains ulama, certains, dans ben, ulama Hanafi aussi, je dirais qu'il faudrait finir, rentrer dans Namaz là avant deuxième rakat, avant qu'ils ratent deuxième rakat. Rater deuxième rakat, c'est avant qu'imam lève depuis dans Roukou. Et il a dit qu'il a besoin de finir dans Jamaat avant qu'il rate le premier rakat. Ça veut dire dans le premier rakat sur le coup avant qu'imam finisse l'élevé. Donc il a besoin d'estimer, il a besoin d'un jugement et il a besoin de connaître quand il peut rater, quand il ne peut pas rater. Et là, il fait un maximum pour les gagner sa sunnats là. Comment nous connaissons dans Namaz Fajr, normalement recommandé pour les longues. Donc là, il y a une chance. Hein? Imam là pour les longues. Donc, un long bout dans le Coran, une page, deux pages, là. Il y a un sens pour accomplir son namaz. Comme ça, il n'y a pas raté sa dérakat sunnat. Et moi, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse là pour rappeler nous-mêmes concernant ben, les autres sunnats, ben, sunnat ghayr mu'akkada.
Par exemple, il y a 4 sunnats avant Asr, 4 sunnats avant Isha, il y a ban nawafil, tout ça là. Alors, ça aussi, il ne faut pas nous négliger. Nous ne pouvons pas faire ça dans des circonstances exceptionnelles. Nous sommes en difficulté, nous sommes au travail, nous en voyage. Mais la majorité du temps, nous ne sommes pas dans cette situation. Qui fait, ça c'est qui nous remarquait, par exemple, 4 sunnats avant Namaz Asr, qui fait nous ne pas faire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une vie l'habitude. Pour ne pas faire namaz là, namaz asab, il y a l'habitude pour faire 10-4 rakat faraz, malheureusement. Longtemps quand nous t'y apprenons, tout le temps, moi dis ça, longtemps quand nous t'y apprenons dans madrasa, qui nous apprend? Nous apprenons tout dans Fajr et dans des sunnats, des faraz, dans Zohar et dans 4 sunnats, 4 faraz, des sunnats, des nafil, Asar et dans 4 sunnats, 4 faraz. Nous apprenons. Après, quand nous faisons le whole package, nous ne pas trier, nous ne pas dire, ça nafil, ça ne va pas faire. Ça, c'est une mouakkada, rêve mouakkada, ça ne va pas faire. Là, quand nous apprenons, nous une différence qui nous fait, nous ne faisons pas. Est-ce que ça apprend là, les pères nous service finalement? Dis-moi, ne pas faire nafil à cause de nafil. Dis-moi, ne pas faire sunnat à cause de sunnat. Au contraire, nous devons faire sunnat à cause de sunnat. Dis-moi, ne pas faire à cause de sunnat. Dis-moi, il peut faire namaz, il peut venir namaz dans le masjid, il peut venir faire 4 sunnat. Bien sûr, ça 4 sunnat namaz à ça là. Ou pas pour qu'il arrive à lui, parce qu'après Asr, jusqu'à Maghrib, ou pas pour qu'il fait namaz. De toute façon, il n'est pas mouakkada. Mais seulement nous faisons des efforts, nous faisons lui. Asr là, il y a des gens qui peuvent faire namaz tout seul. Il y a madame dans la case. Ou soit il y a des gens qui peuvent faire namaz tout seul, il n'est pas capable de venir masjid dans le jamaat. Mais faire 4 sunnats là, qui a fait qui empêche de faire lui? Pas besoin d'aller long ça. Dans la première rakat, il y a qu'il y a ayyuhal kafirun. Deuxième rakat, idha ja. Troisième rakat, tabbat yada. Quatrième rakat, qul huwa Allahu ahad. Quatre surah qui a suivi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça. Comme ça. Fait les saints. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah fait son rahmat, que Allah fait raham, le wanjimun qui lia sa quatre rakat avant Asr là. L'exemple nous peut prendre. Donc, qui fait nous bien tourner les doigts avec Allah sur rahmat? Nous fait les, tant qu'il nous capable, fait les, nous regagnons l'habitude. Faire un namaz, sunnat, faire un nafil, n'a pas négligé. Hein? Shaitan, il n'est pas pour attaquer comme ça, il n'est pas pour venir dire, oh, pas besoin de faire fajr grand matin. Bon, il a fallu récit pour certains, pour beaucoup. Nous faire droit qu'il y a Allah protège nous. Mais s'il y a envie d'attaquer qui est sérieux, il peut venir dire, hey, c'est un nafil ça. Qui fait te faire un nafil? Tu n'es pas fatigué là? Soit tu es bloqué, laisse-le, après tu vas faire. Laisse-le. Nafil ça, pas grave. Donc, allez, nafil est grillé. Je dis, on l'a fait, c'est faraz avec sunnat. Je dis, sunnat rêve, mouakkada, là, pas grave, si tu as raté. Donc, sunnat rêve, mouakkada, après un peu l'année, il y a. Shaitan, il a beaucoup de patience, lui. Il est là, depuis avant création Adam, alayhi salam. Il est là, bien après que nous pouvons finir, aller. Donc, il a beaucoup de patience, lui. Même si bizarre prend 100 bananes, jusqu'à au dernier jour, il peut attendre. Alors, il commence à dire, rêve, mouakkada, sunnat, mouakkada, là aussi, mais pas nécessaire, ça. Et la fois où vous remarquez, avec tristesse, vous remarquez, vous faites un namaz dans le jamaat, combien de gens finissent de lever, par exemple, namaz maghrib? Combien de gens n'ont pas perdu une mauvaise affaire, mais c'est moi qui ai un trac. Il y a des gens pour qui nous avons un trac. Nous avons envie qu'ils disent bien pour eux. Mais là, quand nous remarquons des affaires, alors, ils finissent de lever, ils n'allaient pas faire sunnat. Beaucoup de place vous trouvez. Donc finalement, sunnat là, ils n'allaient faire 10 faraz. Mais là, quand il reste 10 faraz, comment dire, il y a comme ça même la peine à protection autour. Là, il est facile pour commencer à mettre une négligence dans Faraz là, commencer à mettre un manquement. Faraz là, il commence à coriater jusqu'à finalement, il y a du monde pour qui Faraz là aussi, finalement, qui Allah protège nous. Donc, il est important ça, un namaz volontaire. Quand nous pouvons le rendre compte, premières affaires dans lesquelles nous pouvons rendre compte, c'est namaz. Et il est là pour guetter. Bien sûr, là, nos namaz, il y a un manquement. Comment nous garantir nos namaz 100% correct? Nous le faisons, mais c'est même un manquement là-dedans. Alors, ça va un manquement là pour combler par. Ban sunnat et ban nafil qui nous fait faire. Mais si peine à ça, elle est là, nous avons un problème. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous. Il fait nous rester ferme le namaz, il fait nous rester ferme le ban ibadat généralement. Il fait que nous ban namaz, plus aller, améliorer, li coste prêt avec degré perfection, même si possiblement jamais nous pas atteindre degré perfection, mais c'est moi qui li coste prêt avec ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous ban ibadat. Quand même qui manière y était, et qui lui donne nous, ban qui proche avec nous ban descendants, taufik, reste ferme, nous ban sunnat, nous ban nafil. Nous faire tout ban namaz qui est là, nous pas tourner les dos avec ban bons affaires, avec ban quelque chose qui amène rahmat.
et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout cela de nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.